Salut tout le monde, c'est la chaîne QC Bro Gamers. Aujourd'hui on se retrouve pour un pack opening de Star Wars Destiny Across the Galaxy. Mon beau Batman Pixel qu'on va mettre de côté ici. Ben, dans le fond, j'ai une boîte, mais pas une, mais deux boîtes de Star Wars Across the Galaxy. Oui, c'est deux nouvelles boîtes. C'est un cadeau de ma blonde puis un cadeau de mes parents que j'ai demandé. Je vais vraiment, tu sais, compléter, tu sais, pas compléter, mais envoyer le plus possible de trucs de cette série-là. Fait que j'ai payé une boîte puis dans le fond, j'ai eu deux boîtes en cadeau. Puis c'est ça. Puis là, éventuellement, on peut voir juste là, Star Wars Rebellion. Dans le prochain, je vais faire une vidéo d'opening de ça. Un jour, jouer à ça, mais je vais jouer une couple de fois. Puis, éventuellement, là, mon monde est habitué, fait qu'on va pouvoir y jouer en vidéo. Ah, tu sais, savoir un peu les règles. Puis, il y a aussi cette carte-là que j'ai reçue hier, que je vais pas la faire jouer longtemps, parce que peut-être qu'il va y avoir des droits d'auteur, même si je fais pas d'argent, mais... Le Kajabo, ça va faire... Ça fait vraiment comme un jouet épais, comme un enfant. Donc on va commencer ça tout de suite. On va ouvrir cette boîte là. Let's go! Fait que c'est ça, dans le fond, pour les parties là, ça va être fait en deux séries de vidéos. Excusez, j'étais loin. Deux séries de vidéos. Oups, j'ai bougé mon setup. J'accroche tout le temps. Ça, deux séries de vidéos de 4 parties chaque. Fait que dans le fond, la boîte-là, ça va être 4 parts. Puis l'autre boîte, ça va être 4 parts aussi. C'est sûr que moi, je vais toutes les filmer pratiquement en pas longtemps. Mais les vidéos vont peut-être sortir en 8 jours, 9 jours, 10 jours. Qui vont être réparties. Puis. Peut-être entre-temps des unboxings de jeux, comme là je vous ai monté Star Wars Rebellion, mais j'ai aussi Arkham Horror qui est là-dedans. Dans le fond, c'est 3 fois 9. Là, faut que je coupe ça. Là, c'est ça, j'ai pas mes beaux petits couteaux. J'ai un beau petit couteau de Batman, j'ai des beaux petits couteaux chez nous, mais là, chez ma blonde, fait que j'ai pas de tout. Fait que je lac. Un petit couteau ordinaire, là. C'est des poches, des couteaux. Dans le fond, ça va être 4 parties de 9 packs chacun, logiquement. Les parties égales. Elle ne veut pas se faire ouvrir, là, si bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et voilà. Ça, on va mettre ça de côté ici. Ça dérange pas l'opening. En espérant aussi, comme d'habitude, bien répartir les legendary. Pas tout avoir dans la même vidéo non plus. Là, comme que je fais d'habitude, je monte les cartes avant. Ce sont les deux en anglais, hein? Ouais, few. Les cartes avant le dé. Ouf! Ouais, ça commence avec une Legendary. Si vous avez pas vu ma première boîte de Across the Galaxy, je vous invite à aller voir. J'ai pas eu toute une bonne affaire. Fait que bon, ben, le premier pack, premier Legendary. Et d'une version. Et voilà. J'aurais aimé mieux, j'aime mieux faire le contraire. Finir une vidéo par une Legendary. C'est plus agréable à regarder. Ben, t'as le suspense jusqu'à la fin, mettons. Bon. Je te mets la voix là. Ben, à chaque fois que je vois des jeux de Star Wars, quelque chose, j'ai le goût de réécouter les Star Wars, peut-être.
Le Tobias Bucket Rifle. Petite idée. Celle-là, je voulais pas montrer, mais ça veut pas dire que c'est important pour tout le monde. Regarde, le dé, c'est pas. Ça déterre. Bah, tu vois les côtés, mais c'est mieux de juste regarder la carte. Hein, là, hein. De ces temps-ci, je suis pas mal. Je pensais pas. Celle-là est vraiment belle. Je pensais pas triper autant. Je pensais vraiment aimer ça, mais triper comme. Celle-là est belle. Comme que je trippe là, c'est sur le jeu Keyforge. Ou un mod. Ou un upgrade weapon. Je pensais pas triper autant sur le jeu Keyforge que je trippe là. Je pensais juste vraiment aimer un peu. Mais là, j'adore le jeu. C'est sûr que c'est juste un deck collectible game. Fait que tu peux pas modifier tes decks. Fait que des fois, moi j'ai des decks que je trouve qui roulent pas super bien. Ok, ça. Fire Spray 31. Comme je disais, à chaque vidéo, si vous voulez vraiment voir plus en détail ce que les cartes font, faites pause. Lisez la carte. Je vais vous dire en commentaire ce que vous en pensez de telle carte ou si mettons vous êtes dans le bout, vous me connaissez, puis vous voulez faire des échanges, vous pouvez m'écrire sur Facebook ou écrire dans les commentaires. Star Compass. Compass. Petit dé. J'essaie de faire les openings quand même. Pas trop long. Parce que le monde sont. En général, il y a mieux des petits openings, je crois. Des affaires de 6 heures de temps. Là. Oh! Treasure Lightsaber. Nice. C'est pas mal. Là, une coupe d'affaires, j'avais pas. Je pense que j'avais pas le gun de lui. Le mode là, je suis pas sûr d'avoir pogné. Ça, je me semble que je l'ai pas pogné. Ça, je l'ai pogné à date. Il y a juste ces deux là, je crois avoir pogné. En tout cas, je vous invite à aller voir la partie 1 de ça. C'est vraiment génial. J'ai un chat qui me passe entre les pattes. Toujours intéressant d'avoir des parts. Je sais qu'à chaque fois que je sors des. Oh, un personnage. Force Mystic. Each blue ability on this character has redeployed. Cool. Ça peut être peut-être. Ça va peut-être être une. Ah, c'est un character. Ok, c'est ça. C'est un character. Ça va peut-être être une. Quelque chose d'intéressant à faire avec ça. Il est pas unique. Je sais que tout le temps, les premières parties, tu sais, quand que la nouvelle série sort, ma première partie fait tout le temps au moins une centaine de vues. Après ça, ça diminue, diminue, diminue. Puis de plus en plus que je sors des parts, ça diminue de plus en plus. Mais bon, moi, ouais, j'adore faire des openings. Oh, yes, il y en a. Ah, c'est X-Wing. Il faut les TIE Fighters, je pense que c'est meilleur. Mais enfin, il y en faut quand même. Au moins 4 de ceux-là, tu sais, faire de quoi éventuellement. Hein. Utiliser son avantage, parce que tu peux l'utiliser 4 fois dans un deck. Oh. C'est lui du jeu, ça, non? Oh, bon ben, deux fois lui. Bah, ça a été dans un bac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bon. Ça a été ça l'opening aujourd'hui. Je vous dis de vous abonner, partager en ce moment. On est à 121 abonnés. Merci beaucoup. Si vous ne l'êtes pas, ben, abonnez-vous. Puis je fais plein d'affaires de même, des openings de même. Puis en ce moment, il y a au moins, j'ai au moins 10 à 11 vidéos, 12 vidéos prévues. D'opening de jeux ou de packs, puis d'affaires de même. Puis, peut-être des duels éventuellement de Keyforge. Star Wars Destiny, j'aimerais ça d'en refaire d'autres.
Mais je connais, il y a moins de monde qui joue dans mon bout. Fait que c'est un peu plus dur de trouver du monde. Je vous dis ciao, à la prochaine. Abonnez-vous. Peace.